Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est la team 212. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo après un petit moment d'inactivité, je pense. Oui, au moins, enfin là, ça fait une semaine qu'on n'a plus fait de vidéo, donc ça va encore. Il devait y avoir autre chose, mais j'étais à fond sur le développement du jeu, comme tout à l'heure. Avant, j'ai pas été connecté parce qu'il y a eu quelques petits problèmes. Puis les vacances, puis j'ai développé le jeu. Et ici, le jour même, le jeu sort en version bêta test, c'est-à-dire qu'à tout moment, tout peut changer, hein. C'est vraiment test. Même l'argent sera peut-être incorporé à la fin. En gros, c'est une version que vous pouvez tester. Pour le moment, il n'y a vraiment que la base, le fonctionnement de base. On va après seulement faire la décoration. J'ai juste fait la décoration des GUI. Et je vais vous montrer tout cela. Donc le jeu sera disponible. Il y aura un lien dans la description pour le rejoindre. Il n'y a pas encore d'image ni rien. Désolé de ne plus avoir été actif, enfin de ne plus avoir été actif, d'avoir été inactif pendant un moment. Bon voilà les amis, après ce temps d'inactivité, vous aussi vous n'avez pas été trop actif, je pense que vous étiez en vacances, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, parce qu'on a fait un live spécial un an de la chaîne, il y avait presque personne, il y avait 3 personnes, c'était des nouveaux. On leur a dit qu'il n'y aura pas de Roblox parce qu'il y a un problème, ils ont pété un câble. Et maintenant, voilà, performance optimale, ce qui permet de booster un peu ma carte, de forcer ma carte graphique à donner plus de puissance à Roblox. Ce qui fait que c'est un peu beaucoup plus fluide. Donc, normalement, cette vidéo devrait être de meilleure qualité que d'habitude. De retour à OBS. Et aujourd'hui, je suis avec Lulu et Lucas, le créateur du serveur. Discord. Bon, Lulu, c'est un de mes amis. Je pensais avoir peut-être 1 ou 2 abos. J'ai fait une petite annonce. Tant pis, c'est pas grave si vous n'avez pas été là. Merci pour ceux qui ont répondu. Je disais avant que mon micro bug, le serveur devrait réouvrir le 16 ou le 17, juste que j'ai le temps avec mon deuxième admin de mettre vraiment à jour les règles. Ça devrait réouvrir. Attention, vous pourrez vous faire ban pour des raisons qui ne sont pas marquées. Je ferai une vidéo spéciale. Aussi, je vous donnerai plus d'infos dans une prochaine vidéo parce que là, les gens ont déjà tout skip. Hein. Donc, on va aller sur les jeux. Hein. Je rejoins la partie. Bon, voilà, on rejoint un nouveau serveur. Petite animation que le serveur démarre. Un de mes amis. Petit arbre fait par lui. Voilà, le serveur a démarré. Il n'y a pas assez de gens pour démarrer. Vous pouvez venir ? Oui, voilà. Alors maintenant, il y a une intermission. Il y a plein de trucs. Je vous laisserai regarder le log. C'est un... On va dire comme ça, une espèce de... Merde, je me suis coincé avec Neko. Et maintenant, aussi, il y avait un gros bug, je pense. C'était quand on quittait. Alors qu'on était ici. C'est pour ça qu'il y a les teams, ça ne met plus les teams. Ah si, vous êtes désormais dans l'équipe Obi. Ah patch. Dans log, on peut voir. Maintenant il y a un temps d'intermission. Donc, je vous laisse mettre pause. Donc, on ouvre la bêta testing, il y a des logs, le jeu a été complètement recodé, le jeu démarre automatiquement, les menus ont été redesignés. Il y a une barre d'infos, il y a un bonhomme de neige, il y a le bouton de reset qui a été désactivé. Oui, je ne pouvais pas vous réutiliser dans mon jeu. Les bugs ont été patchés, le nom du joueur qui était faux, le nom du gagnant qui était faux, le jeu qui ne démarrait plus, le bug, le slide bug, qu'on pouvait sauter en dehors de la map, et quand on partait que ça te cassait tout, le monde, je sais même de gagner. Je vous ferai un mini gameplay. Bon, le principe c'est un TNT run, donc comme dans Minecraft. C'est le principe, c'est pas le nom. Mais j'ai pas d'idée de nom. Le winner est beaucoup trop grand. Non, il est pas trop grand. C'est le but. T'es pas censé bouger quand il a cette montrée, sans être montré gagnant. Non, dans le chat, personne ne regarde. Oui, normalement c'était corrigé, mais apparemment. Mais tu peux pas sauter 3 blocs. Vous pouvez pas sauter 3 blocs d'ailleurs. D'ailleurs, plus tard il y aura plusieurs game modes. Pour le moment, je suis juste un game mode, ça rachène automatiquement. C'est tout pas mal. Jérémy, tu feras des game pass ou pas? Oui. Il y aura un système. Dans ce jeu, il y aura un système d'argent.
Donc vous gagnez, ce sera pas selon la place que vous êtes, mais selon le temps que vous survivez. Donc plus vous survivez longtemps, plus vous aurez de coins. Et avec ces coins, vous pouvez acheter des power-up qui vous aident à survivre. Ces power-up pourront être achetés avec des Robux et il y aura quelques Game Pass, genre un starter pack avec un petit bonus, que ça on en discute. Bah ça c'est des lignes de code, mais vaut mieux mettre ça dans des jeux sérieux, sinon tu peux avoir de gros problèmes avec Roblox. Si tu veux foutre ça dans un de tes jeux juste pour gagner un peu de thunes, Roblox risque de ne pas trop adhérer. Si c'est juste pour toi gagner de l'argent, faut faire des jeux plutôt sérieux, sinon Roblox c'est assez sévère. Oui, ce jeu aura un système économique normal de Roblox, donc jeu à argent. Je veux, sachez-le, que je veux quand même faire un jeu accessible à tout le monde. Il est possible, sera possible de tout avoir dans ce jeu sans rien payer, juste avec les coins. L'argent des Robux, tout ce qui sera acheté avec des Robux ne seront que des bonus qu'on a avec des coins, mais que vous aurez sans coins là et plus facilement. Comme d'autres bonus que j'hésite à faire seulement avec des Robux pour être intéressant. Ça j'en discute avec l'équipe. Parce qu'il y a Erwan dans l'équipe qui m'aide à développer, qui est aussi un admin. Oui. À quoi il sert peut-être à être un secret? Eh, pas pour le moment. Ici, c'est vous êtes dans une zone de test. Hein. C'est une zone de test. Plus tard, on va designer le hobby. Les menus, c'est déjà un peu fait. Désolé, selon votre résolution, c'est plus rond ou moins rond. Je ne sais pas régler ça pour le moment. Et c'est pas un bug important, ça n'empêche pas de jouer. C'est juste du design. Et le design, on n'en a pas encore fait. Il y a un bonhomme, il me regarde là-bas. C'est un nouveau. Il y a un loup, mais il y a quelqu'un qui regarde le loup. Non, mais il y a un loup. Moi, je veux t'aider, et toi, tu me casses tout. Mais why you bully me? Comment t'as fait pour passer, toi? Why you bully me? Eh, franchement, les amis, je suis fier de moi, parce que j'ai fait ça en temps record. Après, faudrait que j'apprenne comment coder à Erwan, pour qu'il puisse m'aider dans ce jeu. Pourquoi tu me détestes? Je peux parler, toi tu dois faire. J'avoue, toi aussi tu fais ça. Hey, boy! Why you bullying me? Je l'ai enfermé. En fait, de base, je voulais faire ça dans mon espace privé. Premier, quand c'est enfermé. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du jeu. Si vous avez des idées de nom, c'est un TNT Run. Donc comme sur Minecraft, vous touchez un bloc qui disparaît, mais est-ce que vous avez un nom, une idée de nom qui pourrait être bien, attirer les gens? TNT... Alors sachez-le que l'argent gagné par ce jeu sera équitablement mis entre nous, argent privé, et puis en tant que il y aura beaucoup qui sont dans l'économie du jeu. Je ferai un système de dons, sachez-le que je ferai un système pour savoir qu'est-ce que vous avez donné comme don. Donc x 15 Robux ont été donnés, x 50, je sais pas le nom, 7, parce que x ça veut dire un nombre aléatoire. Ce nombre là, l'argent qui sera donné directement au jeu ne sera gardé que pour le jeu, donc on ne l'utilisera pas pour nous. C'est juste pour financer le jeu. Pourquoi? Un jeu Roblox coûte extrêmement cher en pub. Ça, c'est vraiment plus cher. En son. Les sons. Acheter les plugins pour qui aident au développement. Tout ça. Donc pour le moment, il n'y aura pas de son parce que ça coûte une peau du cul. Et on n'a pas l'argent. Il faudrait au moins mettre 100 euros dans le jeu. C'est déjà pas. Mais juste, pourquoi, au lieu de dire pub, tu dis pup? Pup. Non, j'étais bien de côté, moi. Enfoiré, il m'a pris de mon côté. Michel m'a pris de mon côté. Ouais. Regarde, je consomme bien à tout pour bien te foutre la haine.
Et même en laissant tout consommer, j'arrive pas à perdre. Log. Tout ceci vient de faire le jour même. La vidéo sur le lendemain. Mais tout ça, j'ai fait tout ça. Ben parce que peut-être que les trois quarts des gens ne parlent pas le français, tu vois. Et qu'en plus, Roblox est anglais. Et l'anglais, c'est la langue nationale. Enfin, pas nationale. Alors, ah. S'il y a des français, tu mets un petit bouton français et ça change de texte. Bah, tu le feras toi-même, hein, le bouton français. Mais je ne sais pas coder, moi. D'accord, tu t'es enfermé sur le plus petit morceau. D'ailleurs, toi, t'es pas stratégique parce que quand tu sautes, tu gagnes du temps dans l'air. Il y aura un mode où les blocs disparaîtront quasi instantanément. Donc là, ce sera un peu hardcore. Que là, il reste une seconde. Mais oui, mais pour le moment, il n'y a pas le système de coins. Et il sera pas mis avant un long moment parce que c'est le côté le plus dur. C'est quand que déjà, tu le suis, c'est mort. Ah ah, c'est un brain. Maman, je peux la bouger. Merde. C'est quand déjà que Private Gaming est... Le 16 ou le 17, à voir. D'accord. Alors, non. Le 16, j'ajoute un événement. Un événement. Yes. Private Gaming. Mais non, mais il ne met rien. Resort. C'est pas très joli le slash, mais je sais pas quoi mettre d'autre. De minuit jusqu'à... Oh non, il est mort. Jusqu'à 23h. Ah, je m'en bats les couilles, tu prends pas mon côté. De minuit jusqu'à 23h. Je m'en bats les couilles, t'as pris mon côté. Voilà, tu vas de minuit au sort, de minuit... C'est un... Normalement, le jeu, par là, est prévu pour être exécuté le plus rapidement possible, mais même si vous buguez, il n'y a pas normalement pas de problème. Tu sais que Céleste... J'ai de la chance qu'elle bug pour moi. C'est rare d'avoir quelqu'un qui peut tester le jeu, qui le code en laguant. Donc ça me permet de voir qu'est-ce qui peut arriver quand ça lag. Ouais, mais bon, juste Lulu, il est embêtant. Pourquoi il est embêtant? Bah, il bug, il dit. Mais non, je sais pas qui bug. Je lui dis, non, je la quitte. Je bug, ça. Et. Son micro. Non, il faut. Neko, ça m'a max. Je m'appelle Mijirashi. Allez, viens. Oh, on est mort maintenant. Ah ouais, normalement, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a deux blocs de mort. Donc si vous mourrez à la même seconde, même s'il y a un temps de latence entre les deux... jusqu'à présent, je n'ai plus connu de bug. Après, c'est la première fois qu'ici, je teste le jeu avec toutes les debugs, les dernières nouveautés, intermissions, tout ça. Le jeu est jouable. Mais le seul problème, c'est qu'à partir du moment de 6, la map devient petite. Donc faudrait que je fasse un système pour une plus grande map. On va finir la vidéo. D'ailleurs, le dernier joueur mort, c'est celui qui est. Bon, les amis, j'espère que ce jeu vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez dans le développement. Si vous voulez soutenir la chaîne, bah, franchement, pour le moment, ce serait en payant, en donnant des dons. Ça, je rajouterai après cela, pour ceux qui veulent. Ce n'est pas une obligation, hein. Je ne vais pas vous inviter plus qu'un autre parce que vous donnez des Robux. C'est juste très gentil de votre part. Je remercie Flish, un abonné qui m'a donné un nitro gratuit, un nitro boost là de Discord. Oh le bâtard. De Livolin. Si jamais vous voulez nous en offrir et aider le serveur, c'est très gentil mais c'est personnel. Si vous voulez aider le serveur en plus, soit vous prenez pour vous et vous pouvez booster, vous pouvez mettre deux boosts pour un serf. Attends Jeremy, je reviens. Yes. Arrête de narguer. Et vous mettez
Et vous pouvez mettre les deux boosts que vous avez gratuits sur notre serve, ça nous permettra de mettre plus d'emojis et tout. Si pas, c'est si vous voulez nous l'offrir, le mieux reste un de 10€, comme ça on peut permettre au serveur. Vous n'êtes en aucun cas obligé, c'est vraiment si vous le voulez. Je ne vais pas moi répondre à vos commentaires parce que vous mettez ça, c'est juste de la bonne volonté, juste parce que vous voulez soutenir le jeu. Pourquoi ? Mais j'en peux rien, c'est normal, je viens pas réclamer de l'argent. Je crois que tu t'es fait baiser, non ? Bon allez, je consomme le plus de blocs possible. Tu me diras merci pour cette victoire. Je l'ai fait exprès. Oh, nos deux têtes se sont collées. Bon, les amis, ça va être la fin de cette vidéo. Avant tout, Lucas. Oui. Non, le premier, Lucas. Oh. Quand l'intermission est finie, juste pour montrer le magnifique bug qui a été réglé, je vais te le montrer. Vas-y. Attends. Vas-y, tu peux quitter. Voilà. Avant, quand quelqu'un quittait en pleine game, le serveur restait bloqué. Une fois, bon, fallait que le joueur meure automatiquement. Deux fois, le serveur était bloqué. C'était Team 112. Ciao !